Mes chers camarades, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, afin de faciliter les prochains tutoriels, j'ai décidé de vous présenter l'interface web de votre imprimante Neptune 4. Alors, pour arriver à cette interface, c'est très facile. Vous connectez soit via le câble, pour ce qui est de la Neptune 4 et 4 Pro, pour la plus et la Max, vous avez la possibilité également par Wi-Fi. Pour la 4 et 4 Pro, j'ai fait un tutoriel que vous pouvez trouver sur mon GitHub qui est en description de la vidéo afin d'ajouter via une clé Wi-Fi le Wi-Fi à votre imprimante. Donc voilà, le but est de d'abord, en tout cas, de connecter votre imprimante à votre réseau domicile, hein, votre réseau informatique sur votre box internet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, première chose, pour aller trouver l'adresse IP de votre machine, vous allez aller sur l'écran et vous allez aller dans Paramètres ou Settings. Vous allez aller dans À propos de la machine ou About Machine. Et tout en dessous, quand elle sera connectée, vous aurez une adresse IP. Cette adresse IP est une adresse unique sur votre réseau. Et donc, vous allez utiliser un navigateur Internet, que ce soit Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge, tout ce qui s'ensuit. Vous allez aller dans la barre d'adresse qui est ici au-dessus, hein, comme si vous tapiez sur Google ou quoi que ce soit. Et vous allez ta taper l'adresse IP que vous avez sur la machine. Bon, ici, dans mon cas, c'est 192.192.168.0.35. Je fais Enter et là ici j'arrive sur l'interface web de l'imprimante. Alors ici donc vous avez déjà tout sur la page de garde, hein, donc vous avez plein de choses qui sont là. Ici j'ai déjà un petit peu chipoté mais je vais faire tout ça avec vous. Déjà une chose très pratique, si vous préférez avoir les choses dans un ordre différent. Vous pouvez aller sur le petit menu en haut à droite, et où ici vous allez retrouver la possibilité de redémarrer la carte mère de la machine ou carrément l'éteindre. Hein, c'est toujours préférable si vous voulez faire vu que c'est un mini ordinateur dedans, c'est toujours préférable de passer par l'interface et de faire un shutdown que d'appuyer directement sur le bouton d'alimentation. Vous allez préserver un peu plus le système. Vous avez les services aussi, donc possibilité de redémarrer Clipper et Moonraker. Donc Clipper qui est le programme qui fait tourner l'imprimante et Moonraker qui est l'interface que vous voyez là, la gestion de l'interface, pardon. Alors ensuite ici vous avez une partie où on pourrait rajouter des imprimantes, mais elle ne sera pas clairement pas utile ici. Et alors le truc intéressant dans ce menu, c'est ici la possibilité d'ajuster les layouts. Ce qui veut dire que par exemple moi ici j'ai envie de créer une troisième ligne. Je trouve que la console, elle est très bien là. Le thermal là, ça c'est parfait. J'ai peut-être un peu plus envie d'avoir le contrôle des ventilateurs là. La partie firmware rétraction, je la vois bien là, par exemple. Voilà. Donc, on va faire le G-Code Viewer. On va le mettre là pour compléter un petit peu ici. Et les printer limites, je les vois bien ici. Vous jouez comme vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un écran encore plus large, quatrième écran est encore tout à fait possible. Vous allez dessus, vous recliquez dessus, et là ici, on voit que déjà qu'on a une troisième colonne et où on a plusieurs trucs. Alors ici, donc je vais vous présenter la partie ici. Donc c'est là où tous les prints que vous uploadez directement depuis le slicer ou via l'interface web, hein. Donc c'est très bien, vous pouvez utiliser votre clé USB depuis le slicer et le mettre sur l'imprimante. Maintenant, la possibilité vous est offerte avec cette imprimante de directement envoyer depuis Cura, hein, comme j'ai montré dans la configuration avec le plugin Moonraker, de pouvoir envoyer directement vos impressions à l'imprimante et donc elles arrivent ici. Vous avez également la partie de toutes les températures et vous retrouvez toutes les sections avec toutes les possibilités qui sont offertes, etc. Donc vous avez toutes les macros ici, on va voir qu'on va pouvoir les classer, ce qui s'ensuit. Donc l'interface est vraiment modulable,
comme on veut. Alors j'ai passé en revue les menus ici. Donc ici le menu console. Donc ici cette partie console est très intéressante. Si vous avez certaines erreurs sur l'écran ou quoi que ce soit, ici il est possible de voir un petit peu plus ce qu'il en est et donc de débugger plus facilement l'imprimante. Donc ici c'est toutes les commandes qui sont envoyées à l'imprimante vont se retrouver ici. Ensuite, vous avez la partie print, donc là où tous les fichiers que vous avez envoyés sur l'imprimante vont se retrouver ici. Vous cliquez sur un, il est possible de lancer l'impression, de faire le préchauffage en fonction des températures qui sont indiquées dans le G-code. Il est possible aussi d'éditer le G-code, il est possible de le télécharger, de faire une preview du G-code. Donc ici, j'ai peut-être pris un qui est un peu long, mais je vais prendre celui-ci qui sera bien moins long. Voilà, hop, ici, preview du G-code. Voilà, ça se charge. Et normalement, j'aurais dû l'avoir ici. Ah, mais voilà, hop, voilà. Il est ici, donc il est chargé et on peut voir que, vu qu'il y a ma photo devant, ça ne va pas aller. Vous avez la partie qui est ici. Hein, on voit que ici, je peux explorer toutes les couches. Hein, donc, hop, on peut voir l'avancée de l'impression directement ici sur l'interface. C'est des fois fort pratique. Ensuite, vous avez la partie historique où là vous allez avoir toutes les statistiques de l'imprimante, la durée de tous vos prints, etc. Donc voilà, si un jour vous postez une de vos impressions et qu'on vous demande combien de temps ça a pris et que vous ne le savez plus, vous pouvez le retrouver ici. Alors, ensuite, vous avez un onglet réglage. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est leveling, bed mesh. Vous avez la possibilité avec le détecteur de filaments et les end-stop. Donc, cette partie-là, je la ferai dans un autre tutoriel pour le bed mesh. Donc, je ne m'attarde pas trop. La partie configuration ultra importante, c'est là où vous allez pouvoir avoir accès au fichier printer.cfg ou imprimante.cfg si vous avez mis l'interface en français. Le printer.cfg est le fichier le plus important, un des fichiers les plus importants sur votre imprimante. C'est là où on va y avoir toute la configuration. Ici, quand je clique dessus, on voit que c'est le fichier qui est fourni par Elegoo, hein, donc avec tous les paramètres, toutes les configurations de l'imprimante. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je vous explique pourquoi je le supprime. Parce que j'ai retravaillé ce fichier. Déjà, je l'ai rendu un petit peu plus lisible. Et j'ai ajouté des options et modifié quelques paramètres avec des valeurs qui me semblent plus cohérentes. Maintenant, ça reste un avis personnel. J'ai raison, j'ai tort. Mais en tout cas, je suis très content de mes impressions. Donc voilà. Donc moi ici, je vais aller rechercher mon fichier à moi. Voilà, je l'upload, il est là. Par contre, j'ai toujours l'ancienne configuration. Si je veux charger la nouvelle configuration que je viens de mettre, je vais aller dans l'onglet suivant qui est l'onglet système. Vous allez retrouver les informations du système, hein, donc ce sont des graphiques, etc., que personne ne va clairement jamais lire. Et ici, vous allez pouvoir faire restart Clipper ou redémarrer Clipper si c'est en français. Et là, en redémarrant Clipper, il va aller rechercher les informations dans le fichier printer.cfg et reloader toutes les infos. Donc, pour voir que ça a été bien pris en compte, je retourne sur ma page de garde. Et ici, je sais que sur la partie ici, on avait moteur off, mais on n'avait pas les deux options qui sont ici. Donc, qui sont des options pour le bed leveling, pour aider au bed leveling. Je vous les expliquerai dans le prochain tutoriel. Mais donc, ici, très pratique. Vous avez aussi également des macros supplémentaires que j'ai ajoutés pour faciliter via l'interface web. Voilà, c'est des choses que je trouvais plus pratiques. Et donc, je les ai ajoutées. Ici, donc la partie information avec le partie stockage, la partie settings où vous allez pouvoir là ici plus configurer ce que vous avez envie, c'est-à-dire ici en haut il est marqué fluide, mais c'est une Neptune 4 Plus,
et je préfère qu'il soit marqué Neptune 4 plus plutôt que fluide. Voilà, problème résolu. Sur le haut, on a Neptune 4 plus. Si vous le voulez en français, l'interface, vous faites en français. Et voilà, une bonne partie en passe en français, pas tout. Et voilà, je sais que la plupart vont aimer cette option. Ensuite, vous avez donc toute une série de paramètres où vous pouvez accéder beaucoup plus facilement directement par ici. Hein. Donc si je veux aller tout à la fin, je clique là. Si je veux remonter, je clique là. La partie console, c'est plus une partie expert, donc je pense pas qu'elle va être utilisée par grand monde. Les thèmes, ça par contre, pour celui qui a plutôt envie d'avoir des choses de couleurs différentes, voilà, vous pouvez choisir un petit peu certaines modifications. Il est possible de les personnaliser en allant dans les couleurs primaires. Il est même possible de sélectionner un thème, hein, donc ici, hop, voilà, on peut changer un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà. Donc moi ici je vais reprendre le thème d'origine. La partie file editor, je vous conseille de ne pas y toucher, c'est une partie un peu plus pour savoir quel fichier on peut éditer, ce qui s'ensuit, donc ça ne touchez pas. La partie authentification, on verra certainement ça dans un autre tutoriel. C'est une partie un peu plus pour avoir une option comme le contrôle à distance et ce genre de choses. Il y a moyen de passer par ici. Alors, la partie aussi, une partie intéressante quand on veut bien avoir une belle gestion de sa page de garde, l'onglet macro, où ici j'avais déjà ajouté deux catégories. Hein. Donc, je vais vous montrer. Je vais ajouter par exemple une catégorie light, hein, ou lumière. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aller dans la partie non catégorisée et là je vais lui dire écoute, celle-là, hein, donc pour allumer une des LED, j'aimerais bien que tu la mettes dans la partie light. Donc là elle disparaît ici, je veux aussi que celui-là aille dans la partie light. Voilà, ces deux-là sont allés, ces deux-ci aussi vont aller dans la partie light. Voilà, hop, partie light enregistrée. Donc, il est possible de faire ça avec tout, de créer des catégories et de classer beaucoup plus facilement vos macros, histoire de ne pas chercher dans les 20-30 macros qu'il y a dessus. Donc ici, voilà. Alors, pour vous montrer ce que ça donne, c'est que, hop, on repart ici. Et donc, dans mes macros, j'ai maintenant mon onglet filament, mon onglet light, mon onglet PID et encore un onglet non catégorisé que je vais certainement faire par la suite. Et donc voilà, c'est beaucoup plus facile si j'ai envie de trouver les lumières que de chercher dans les 30 macros. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'étais dans les macros. Vous avez la partie webcam. Là aussi, si vous voulez, j'ai fait un tutoriel qui est en PDF sur mon GitHub qui vous permettra d'ajouter une imprimante. Je vais certainement faire un tuto vidéo aussi. Mais je ne m'attarde pas dessus. C'est une partie qu'on verra plus tard. Alors la partie outils, c'est une partie où, encore une fois, vous pouvez ajouter des distances, vous pouvez modifier des vitesses, des longueurs d'extrusion par défaut, etc. Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'y touchez pas, elles sont très bien comme ça. Et voilà, donc, comme on dit, quand on ne sait pas, on ne touche pas. Voilà. Alors, ensuite, vous avez un onglet assez intéressant, donc c'est les pré-réglages de température. Donc ici, quand vous faites ajouter, ici, moi, il y a déjà deux pré-réglages, donc les deux, pour moi ici, filaments que j'utilise le plus, c'est-à-dire le PETG et le PLA. Ici, moi, je décide que le préchauffage se fait à 235 degrés et que le bed se met à 70, 70, pardon pour les Français. Donc ici vous allez avoir donc vos pré-réglages, vous faites enregistrer et alors quand vous allez sur votre onglet principal, vous décidez de mettre, vous allez imprimer du PLA, le temps de préparer un petit peu, de slicer, tout ce qui s'ensuit, vous dites on va gagner quelques minutes, on va lancer le préchauffage, vous lancez le préchauffage PLA, vous cliquez et là vous allez avoir directement vos températures qui vont s'afficher
la machine, on entend les ventilateurs qui se mettent en route. Et donc voilà, hop, je vais l'éteindre pour que les ventilateurs se taisent. Et donc ici, je pense que nous avons donc fait pratiquement tout le tour, hein. La dernière partie, la partie prévisualisation du G-code, là aussi, il n'y a pas grand-chose à toucher. Mais au moins comme ça, on a fait tout le tour de tous les menus. Ce qui veut dire que pour les plus prochains tutoriels, quand j'irai sur l'interface web, normalement, nous allons tous pouvoir parler le même langage. Donc voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel qui sera le bet leveling. Donc moi, ma prochaine étape de configuration. Longue vie et prospérité, que la force du print soit avec vous.